Bonjour, avant de lancer le speed art, je tenais à expliquer en détail le principe du défi. En gros, à partir de trois emojis qui vous seront donnés par quelqu'un, vous devez créer une créature, un personnage, peut-être même un Pokémon. Mais attention, les trois emojis doivent constituer le personnage et pas juste l'accompagner. Je m'explique, si par exemple mes trois emojis étaient chèvre, hot dog et citrouille, je peux pas juste faire une chèvre en train de manger un hot dog à côté d'une citrouille. Par contre, je pourrais faire un hot dog vivant dans un monde apocalyptique portant une citrouille sur la tête et revêtu d'une peau de chèvre qu'on nommerait Jacko Dog, le survivant. Voilà en exemple deux illustrations faites par Iniro. Pour ma part, j'ai demandé à Lizzie de la Neko de me donner les trois emojis pour constituer mon personnage et voilà comme je me retrouve avec eau, chat et melon d'eau. Dernier truc, j'ai un petit message à vous dire à la fin, donc on se retrouve après la vidéo. Bon visionnage. Thank you.
avant de se quitter, j'aimerais vous lancer ce défi pour ceux que ça intéresse. Et si vous pensez ne pas en être capable, et bien sachez que en plus d'être un défi, c'est à mon avis aussi un super exercice pour le dessin. Alors voilà différents combos que je vous propose. Prenez-en un, faites votre dessin, puis envoyez-moi le résultat sur mon Instagram ou sur mon Twitter. Si vous avez vous aussi des idées de combos à me soumettre, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire et peut-être que je ferai une autre vidéo sur ce challenge-là avec un de vos combos. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.